Bonjour, je m'appelle Vincent Valetoureau-Maison de chez Extermination Vincent Valetoureau-Maison. Et aujourd'hui, malheureusement, on va se parler de rats. Venez avec moi. Ok, alors, c'est quoi ce style d'affaire de rat-là? En fait, l'histoire commence avec la serre que j'ai bâtie. Vous pouvez vous abonner et voir la playlist de ma serre que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps avec des systèmes de géothermie et un. Comment ça s'appelle? Mais un petit robot assez. Pour contrôler tout ça. Toujours est-il que, après avoir mis tant d'ouvrage et d'amour dans ce projet, cette année, j'ai presque rien cultivé parce que je me disais, cet hiver, je veux comme installer mes systèmes bien comme il faut, je ne veux pas être rushé et tout. À un certain moment donné, je vois des trous apparaître dans la serre. Donc, je me dis, s'il y a des trous, c'est parce qu'il y a des taupes. J'étais naïf. Parce que c'était pas des taupes que j'avais dans la serre. C'était des rats. Alors, c'est que ça m'écœure. Fait que là, ce que j'ai dû faire, c'est que je me suis dit, bon, j'ai des rats dans la serre qui est annexé au poulailler. Donc, probablement dans le poulailler, j'ai vu des crottes et tout. Et à un certain moment donné, je suis venu le soir et j'ai vu un rat qui courait. Là, j'ai fait, OK, ça s'arrête maintenant. Donc, la première chose que j'ai fait, puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'analyser, entre autres, ben, ce qu'on va faire aujourd'hui, entre autres choses, c'est d'analyser ces bidules-là. J'ai mis, au début, quand j'ai vu qu'il y avait quelque chose, ces bidules-là. Les avantages, premier avantage, cette bidule-là, tu l'installes de même. J'avais un de mes collègues qui l'avait. Tu l'installes, tu mets du beurre de peanut, tout ici, t'en mets là, qu'est-ce qui se passe? La souris ou le rat monte, arrive ici, plouc, tombe dans l'eau. On va regarder ma prise d'aujourd'hui. Zéro. J'en ai mis deux. Je les ai mis dans le poulailler. Je les ai mis dans le poulailler. Première journée, on y va pour le décompte. Trois souris. Enfin, j'avais des robes des souris. Trois souris. Wow! Ça fonctionne. Puis de toute façon, il faut que ça fonctionne parce que sur Facebook, quand j'étais sur Facebook, longue histoire, on voyait des vidéos de ce truc-là. Et là, tu vois ça là, dans une seule nuit, il pogne 20, puis 30, puis 40 souris, puis 4 rats, puis hey, je me dis, ça va être efficace. 3 souris pour la première journée, je l'ai mis. Deuxième journée, zéro. Troisième journée, zéro. Quatrième, cinquième, sixième, etc. Zéro. À partir du moment que j'ai pogné trois souris avec ça, c'est fini. J'ai plus jamais pogné, même pas une souris, pas un rat. Niet. OK? Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à installer des bonnes vieilles trappes à souris. Donc, avec les trappes à souris, j'ai installé à peu près une dizaine de trappes à souris. Niveau souris, on se met juste niveau souris. En l'espace de 6 jours, là, j'ai élevé 2-3 souris, là, quasiment tous les jours. Après à peu près 12 souris, plus de traces de souris, je vois plus de crottes de souris, je vois plus de problèmes de souris, je vois plus de souris, j'entends plus de souris. Ça a été réglé. Donc, bucket ou trappe? Le bucket gagne. Pour les souris. La trappe. La trappe, les trappes. C'est quoi le problème avec les trappes, par exemple? C'est que le bucket, tu le mets à temps. Le problème avec les trappes, c'est que les trappes,
quand il y a une souris dedans, ben, elle ne se remet pas tout seul. Fait que là, il faut que tu ailles la replacer. Tout. Donc, on pourrait penser que le bucket, c'est bon à rien. Je pense que c'est parce qu'ici, il y a juste trop de bouffe dans le poulailler, dans la serre, pour que le bucket devienne alléchant. Peut-être que si t'as un chac dans le fond du bois, puis les souris ils vont là pour se réchauffer, puis ils ont pas de bouffe, peut-être le bucket fonctionne. Mais pour une grange ou un poulailler, j'ai mes doutes. Donc ça, ça règle le cas des souris, ça c'est assez bien fait. À peu près 6-7 jours de trappe de souris, à lever les trappes, puis à les changer à peu près une à deux fois par jour. J'ai ramassé à peu près 12 souris, c'est réglé, 3 dans le bucket. J'en vois plus, j'en entends plus. Ce qui nous amène... aux rats. Les rats. Alors, aujourd'hui, j'ai pas encore été faire mon petit tour. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais trouver. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les rats, c'est quelque chose d'absolument dégoûtant. Premièrement, on en a un ici qui est décédé. Les choses que j'ai placées, ça c'est, vous allez comprendre pourquoi il est juste comme mort là. Je vois des trappes à souris qui ont été levées. Ah, j'ai une trappe à rats là-bas qui a été partie. Alors, au bout ici, j'ai mis des granules qu'on met. Le concept des granules, c'est que les rats mangent la granule. Une fois que les rats ont mangé la granule, c'est un anticoagulant, donc c'est pas un poison, c'est un anticoagulant. Et là, on va aller l'autre bord pour parler un peu. Et le concept de l'anticoagulant, c'est que les rats et les souris mangent ça. Et là, ce qui se passe, c'est que ils se blessent, puis là, ils commencent à saigner. Mais comme ils sont pas capables d'arrêter de saigner, puis là, une manée, ils ont plus d'énergie, ils ont plus de sang, puis ils meurent. Mais comme ils ont été vidés de leur sang, c'est comme s'ils se sont asséchés. Puis ensuite, ils vont comme juste se transformer en poussière, je sais pas. C'est utilisé à l'intérieur, entre autres, pour les souris, pour qu'ils aillent dans les... Tu sais, t'as des souris dans les murs, ils sortent, ils mangent ça, ils vont dans les murs, ils se coincent en quelque part, ils se mettent à saigner, ils sèchent dans le mur, puis... Techniquement, t'as pas trop de problèmes d'odeur puis tout le kit. Sauf que là, moi, j'avais une épidémie de rats et de souris, mais particulièrement de rats, ce que je pensais pas. Fait que là, il a fallu que je step up un peu puis que j'en arrive à une autre solution. Je vais attendre à la fin pour vous expliquer pourquoi il y a un rat de mort à terre ici. Parce que je viens juste de mettre autre chose et on va en discuter. Première des choses, il a fallu que je nettoie mon poulailler complètement, que je nettoie partout. Puis là, en ce moment, bon, il y a un petit peu de rip, c'est normal, mais à tous les jours, je passe le balai. Ici, le problème que j'ai eu, c'est que j'ai laissé du foin là-dedans, puis c'est là que les rats se sont fait une nicara. Fait que là, ça, c'était ma grosse erreur. Et les rats avaient commencé à faire quelque chose dans ce coin-là qui a été lavé, donc on le voit pas, là, mais je vais aller mettre du vinaigre là-dessus. C'est quand un rat arrive en quelque part, OK, il veut attirer les autres rats. Cœur sensible s'abstenir. Alors, tous les rats vont chier à la même place. Et là, ça fait une montagne de marde et de pisse. Et là, ça pue. Ben, évidemment, nous, ça pue, mais pour eux, ça les attire au loin. Fait que là, les rats... Oups. As-tu lâché, ça? Fait que là, ça les attire au loin. Les rats qui sont dehors sont comme... c'est une bonne piste de rats ici. Bonne chiasse de rats ici. Fait que je vais aller... Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir ici. Fait que ça attire du nouveau sang. Vous avez remarqué que les rats sont de plein de couleurs différentes. Ils ont vraiment une variété, variabilité génétique incroyable. Donc, c'est ce qu'ils font en sorte, entre autres, qu'ils sont autant résilients. Fait que là, j'ai mis des trappes à rats, puis j'ai commencé à lever, j'ai tout nettoyé, j'ai mis des trappes à rats à différentes places. Autre chose, j'ai mis une cage à rats pour les poignées vivantes. Donc, si un rat rentre là-dedans, il va être juste pogné. J'ai pas pogné un rat avec ça. Pas un.
Mais avec les trappes à rats, j'ai commencé à lever des rats. Pas des rats, en fait. Le cœur me lève. J'ai commencé à lever des restants de rats. Parce qu'à tous les 24 heures, je changeais les trappes. Puis par le temps que je monte la trappe, puis que je revienne ensuite, 24 heures, c'est le max que j'ai pris. Le rat qui était snappé dans la trappe était entièrement dévoré, ou à peu près. Puis il restait juste du poil, une face, un peu des yeux, un peu de patte, puis une queue, si j'étais chanceux. Le reste, le rat était dévoré. Des fois, à moitié dévoré. Fait que là, ça, c'était, on commence à jaser là, d'une bonne épidémie de rats à ce moment-là. On va parler plus tard pourquoi le rat est mort. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que, tu vois ici, je l'ai toujours nettoyé, mais ce qui arrive, c'est à tous les jours, je le nettoie, puis c'est ça que je vois, à tous les jours. Tous les jours. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a juste carrément des rats qui sortent, qui viennent, parce que j'ai déterminé que leur nid était ici. Mais là, tu vois ici, hop, il y a une trappe à rats que j'ai mis dans le nid. C'est la première journée que je pogne pas un rat dedans la trappe à rats qui est ici. Donc, à tous les autres journées, j'ai pogné un rat par jour. En tout, les rats au niveau de la chaudière, zéro. Trappe à rats, je pense que j'ai levé peut-être 8 rats. 8 rats. Puis là-dessus, il y en a un seul qui n'était pas dévoré. Un dévoré à moitié, puis les autres étaient presque entièrement dévorés. Est-ce que c'est écœurant, ça n'a pas de bon sens. En tout cas, là, finalement, regardez ici, là. Là, moi, je peux pas en mettre. Regarde, les rats font des terriers, là. Ça, c'est un terrier de rats, ça. Même dans la marde de mes canards, les rats, eux autres, pas de problème, ils font des terriers, là. Let's go, mon ami. Oh, cet animal dégueulasse, ça n'a pas de bon sens. Oh! Oh! Justement. Trop beau pour être vrai. Bon. Bel petit exemple de ce que j'ai levé dans mes trappes à rats récemment. Fait que ça, c'est mon 9e. Death Count 9. Bon, pas besoin de vous montrer comment on arrange des trappes. Ça m'amène, en fait, à la discussion suivante. Comment ça se fait qu'il y a un rat mort ici? Je veux dire, effectivement, il est mort. Genre, OK. Ben, c'est qu'à un certain moment donné, ça paraît peut-être pas depuis le début de la vidéo, là, mais j'aime pas ça tuer des animaux. T'sais, comme, en général, je suis du genre à encourager la biodiversité, puis faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des oiseaux qui passent, puis je fais attention, OK? Mais là, ça m'a amené à une question, à plusieurs questions, parce que je pense que l'agriculture, l'autosuffisance, c'est de la philosophie appliquée. Finalement. Et les questions que ça m'a posées, c'est qu'est-ce que je fais avec une épidémie de rats? First, ils sont venus dans ma serre, j'ai mis des épinards et d'autres choses, ils l'ont dévoré. Donc, tu jardines, nourrir des rats, c'est quand même pas génial. Deuxièmement, j'ai pas vu de crotte de rats ici dans la serre, mais probablement ils auraient pu chier là, ils ont chié dans le poulailler. Donc, nécessairement, avec leur urine, leur chiasse pis tout, c'est comme hyper mauvais pour l'asthme, les maladies respiratoires et tout. Ils peuvent contaminer mes poules. En tout cas, je suppose qu'ils peuvent contaminer mes poules. Peut-être que c'est une grosse supposition. Et l'autre chose, c'est que oui, je veux bien encourager la biodiversité, mais le rat est un animal qu'on appelle synanthrope. S-Y, comme une synergie. Donc ça veut dire qu'il vit en synergie avec anthrope, hein, comme l'anthropologie ou le réchauffement climatique anthropique, anthrope avec les humains. Dans le fond, fait que le rat vit en synergie avec les humains. Le rat est très, 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 très adapté à être dans un endroit où est-ce qu'il y a des humains. Donc, c'est-tu le genre de biodiversité que je veux amener chez nous, moi, des rats, tu sais, puis en tout cas. Fait que finalement, je me suis dit, OK, l'autre chose, c'est que j'ai eu une espèce de raisonnement par rapport à l'environnement, l'écologie aussi, l'utilisation de pesticides, etc. Tu sais,
quand même, je me revendique de quelqu'un qui fait la promotion de l'agriculture biologique, qui en fait à la maison aussi, je pense, de l'agriculture écologique. Puis là, ça nous amène à un dilemme éthique. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Mettons que, OK, je mets juste des trappes. Je lève un rat par jour, ou comme vous avez pu voir, un demi-rat par jour, si vous voyez ce que je veux dire. Je remets des trappes, puis je lève un rat par jour. Sacrement, il doit en avoir quand même pas mal des rats. Si un rat qui pogne dans la trappe, 24 heures plus tard, il est dévoré, ça veut dire qu'il y a d'autres rats, puis ils ont faim, puis etc. Fait que c'est un réel problème. Mettons que je suis laxiste. Ils vont aller en quelque part, ces rats-là. Ils vont se multiplier, une année, ils vont être trop. Ils vont aller chez les voisins. Ils vont aller chez mes beaux-parents. Ils vont aller de l'autre bord de la rue. Ils vont, tu sais, je veux dire, à un certain moment donné, j'ai quand même une responsabilité qu'il n'y ait pas une épidémie de rats autour de chez nous. Déjà qu'il y en a une chez nous. Alors, pour toutes ces raisons, vous allez comprendre pourquoi le rat était mort à terre. C'est que j'ai décidé d'appeler un exterminateur qui m'a vendu des pastilles de rodenticide. En tout cas, poison à rat, si on veut. La façon que ça fonctionne, ce sont des pastilles qui sont dans du plastique. Et à l'intérieur, il y a un stuff. Les rats mangent ça. Ils techniquement ne meurent pas. C'est pour ça que ça m'a surpris qu'il y en ait un là. Comme ils pognent soif, puis là, ils sortent dehors pour aller boire de l'eau, manger. Puis là, ils mangent l'eau. Ils meurent là, à partir de ce moment-là. C'est quand il y a le contact avec l'eau que le poison fait effet. Fait que c'est quand même bien fait dans la mesure que le rat sort dehors pour ensuite mourir dehors, dans le fond. Donc, il pend dedans. Mais là, lui, probablement qu'il a eu accès à de l'eau en dedans. Peut-être qu'il est allé boire dans l'eau des poules. C'est dégueulasse. Puis là, finalement, ça l'a pogné. Il est mort là à terre. Je vais peut-être me promener sur mon terrain et trouver 3-4 rats dehors aussi. Fait que là, la façon de faire, c'est que je continue de mettre des trappes. J'en mets beaucoup dans la serre parce que je veux absolument pas qu'ils viennent dans la serre, surtout que je suis supposé planter prochainement. Puis à tous les jours, je passe, je mets une coupe de ces trucs-là. Ils mangent. Je repasse le lendemain, je mets une truc de ces trucs-là. Ils mangent. Je mets 5 pastilles à terre, je reviens le lendemain, il n'y a plus de pastilles. Je mets 5 pastilles à terre, j'arrive le lendemain, il n'y a plus de pastilles. Donc, il y a quand même, j'ai quand même un solide problème. Donc, c'est ce qui fait un petit peu la conclusion de ce vidéo. C'est absolument dégueulasse, dégoûtant. Je ne savais pas s'il fallait que je fasse cette vidéo-là. Sauf qu'en même temps, je pense que sur YouTube, il y a toujours beaucoup l'accent est mis sur ce qui marche, pas beaucoup sur ce qui marche pas. Mais finalement, quand les gens ont un problème, ils se revirent vers YouTube et ils voient juste des success stories avec du monde qui sont comme « Ah, la biodiversité. » Alors que dans les faits, ben, c'est plus compliqué que ça puis il faut quand même savoir quoi faire ou en tout cas s'inspirer de ce que les gens font. Je dis pas que les gens vont s'inspirer de ça. Il y a peut-être des gens qui vont écrire comme « Voyons donc, je peux pas croire que tu utilises du rodenticide à l'eau, on est en 2023. » Mais bon, j'ai hâte de lire vos commentaires là-dessus. Mais je voulais vous montrer aussi parce que, tu sais, avec la COVID, il y a eu comme un appel de la campagne. Ben, je figure que c'est aussi ça un peu, peut-être, la campagne, de gérer des problèmes de campagne qui sont pas toujours si agréables que ça à gérer. Donc, voilà. Fait que c'était sur mon vidéo. Donc, la morale de l'histoire, si vous avez une infestation de souris ou de rats, non, non, non! On n'achète pas ça! Les trappes, puis s'il faut, ben, je veux dire, à grands mots, les grands remèdes. Donc, voilà! Bye!